Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. À l'occasion du 30e anniversaire du jumelage entre Grenoble et Oxford, ne ratez pas la fanfare Yebarov et ses 16 musiciens qui tapent, soufflent, chantent, pianotent des musiques de rue dans le style des fanfares des Balkans. Un programme spécial Balkans versus England est prévu, une battle festive qui réunit sur scène 30 musiciens. C'est une première, la Nouvelle-Zélande s'invite à Grenoble samedi. Le festival Fanzang veut rapprocher des cultures et propose un festival des arts, de l'aventure et des activités autour de la Nouvelle-Zélande. Au programme, un spectacle vivant, deux discussions, deux projections de films et de nombreuses animations. Des échanges s'articulent autour du thème de l'identité, de l'appartenance et des racines. À la salle des fêtes des Chirolles, ne manquez pas le chœur solidaire avec Vivre Ensemble, une chorale éphémère à laquelle tout le monde peut participer, elle est gratuite. C'est plus une aventure qui permet de réaffirmer les valeurs laïques de fraternité. Le chœur solidaire, c'est plus de 100 choristes ce samedi. Samedi se déroule la 15e édition de la Nuit européenne des musées. Partout en France et en Europe, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes. Au programme, visites commentées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles, animations exceptionnelles. Spring Folk est à Barreaux samedi. Leur univers folk est un mélange d'influences comme avec notamment Neil Young, America ou Moriarty. Le trio repose sur une voix captivante accompagnée d'une guitare, d'une contrebasse et d'une batterie jouée debout. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.